Oh.
Thank you.
Thank you.
Nous bouquions tout le monde, c'est que docteur Mbo en tout cas, maman, ma yunga Odette. Et comme tu as aussi belle et doux qui dit, si tu as tout le monde, tu as beaucoup. Comme on m'a dit, ni maman, maman, tu as un gars, tu as dit ça. Nous voyons, il y a un moyo. Bon, en tout cas, fini, quand il y a mon ange en Zambico. Il dit la papa, il y a un peu de babo. Nous bouquions maman Odette, tu es un peu là, la maman, ben, on va te faire un long. Amen. Donc on va demander un quantité d'enfants et puis on va faire une prière. Comment? On a déjà prié. On a déjà prié. Donc ok. Bon. On va ouvrir quand même pour que les gens battent là une dernière fois, maman. Mais on va s'arranger à ce que les mains ou mal. Thank you.
Gétio. Papa Gimir face à Chukwabo, Zambia Munu, Bouzoube Yangekele Neni, la bête bante Yamasumu papa. Détangisa Kamenga Yantalu, Nayalan Tangamani, Samuchumunu Mukubuka papa. Oh, Bouzoube Yangekele, la bête bante Yamasumu. Ikankoube Yangeko Kendosa papa. Nous sommes les
plutôt parce que je t'ai rencontré. Toi, le créateur de toutes choses, qui est mieux, voici tu vois.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
wama la zo izozo kwani yetiso wana ajei ajei lukunza ninaka wamuza ajei lukumba ikinala wamuza matu Yanusa gamo mazila same malu ongane matu mase Yanusa gamo mazila same malu Kikilanga mwamuza matu mase yalusa namo mazila same malu ungane matu mase yalusa namo mazila same Yeah.
Thank you.
Bonjour. Mais vous m'avez dit que vous avez dit que vous avez Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, c'est le 20 août 2021, dont nous sommes venus pour l'enterrement de ma mère, Madame Mayunga Odette, morte à Brazzaville depuis le jeudi 12 août. Donc là, nous sommes venus pour l'enterrement. Nous sommes là depuis hier, depuis le 19 août 2021. Et l'enterrement est prévu ce matin. Nous sommes ici dans un village qu'on appelle Bilombo Village. C'est un village qui est acheté par la famille. Donc c'est là qu'il était prévu qu'on fasse l'enterrement. Comme précédemment, il y a d'abord sa maman, sa grand-mère aussi qui sont enterrées l'autre côté là-bas. Et on attend l'heure pour commencer la cérémonie pour elle, qui est prévue pour 10 heures. Bon, la nuit s'est pas très bien passée. Malheureusement, comme le village, il fait trop froid, les gens n'ont pas supporté le froid. Bon, on n'y peut rien, c'est la nature qui est comme ça. Donc voilà, mais apparemment, bon, ce matin, tous se sont déjà levés, ils commencent à se préparer pour attaquer la cérémonie vers 10 heures. Voilà. Et je vous remercie. Je suis M. Diangenda Mayunga André Joseph. En fait, je suis le cadet de maman Odette Mayunga Sunda. C'est vrai que aujourd'hui, par un certain jus de circonstances, le trépas a voulu que cette maman puisse partir. Elle est partie depuis le 12 août. Et bon,
je ne dirais pas qu'elle a beaucoup souffert, mais il y a eu un temps où elle a souffert quand même un peu. Et comme la maladie arrive toujours avec une vitesse de fois vertigineuse, hein, bon, elle a été rappelée, elle est partie. On a vu que bon, il fallait qu'on soit autour d'elle pour qu'on vienne lui rendre un dernier hommage. Bon, comme ici où nous sommes, bon, c'est un village en fait qui a été acheté, non pas pour la circonstance, mais les gens ont voulu avoir une propriété ou un domaine. C'est pour ça qu'on avait fait cette acquisition. Mais malheureusement, ça s'est transformé un tout petit peu en un lieu où on vient beaucoup plus en fait pour déposer les corps des gens, parce que là nous avons déjà notre grand-mère, notre maman et puis notre nièce et notre soeur aînée, elle qui était la deuxième maman Odette. Bon, aujourd'hui elle est décédée. On n'a pas voulu en fait l'enterrer à Brazzaville ou bien dans la banlieue en fait de Brazzaville. Bon, on a préféré l'emmener ici. Donc ici où nous nous trouvons, c'est un village qu'on appelle Bilombo. Bilombo, c'est le nom de notre grand-mère. Et c'est elle qui a été enterrée ici pour la première fois avec notre maman. Parce qu'on avait été obligé d'aller prendre son corps pour l'emmener ici. Donc ici où nous nous trouvons, c'est un site comme vous avez vu, bon, qui est sur une colline. Hein, bon, et c'est ça aussi qui explique en fait qu'il y ait un vent très fort. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire moi personnellement? Sinon, juste adresser tous nos remerciements infinis aux gens qui ont bien voulu se déployer, qui ont voulu faire des efforts pour venir en ce lieu, pour nous accompagner, où nous venons déposer notre sœur, notre mère, notre tante, dans sa dernière demeure. Donc c'est tout ce que je crois que je pourrais dire. Mais sinon, en tout cas, ce qui nous fait plaisir, comme on l'a toujours dit, c'est dans le malheur, dans la souffrance, qu'on reconnaît les vrais amis. Donc tous ceux qui ont voulu bien se joindre à nous pour venir en ce lieu, nous leur remercions et puis nous espérons, comme nous sommes venus, à notre retour, nous repartirons aussi sans incident, sans accident, sans quoi que ce soit, pour que maman, l'esprit soit rehaussé. Je ne sais pas s'il y a une deuxième question à laquelle on pourrait répondre, mais sinon, on est de celle qui est partie. Bon. Et comme chez nous, quand on est garçon, bon, on est un peu chef de famille, quel que soit l'âge de femme qui vous précède. Mais sinon, bon, moi je ne suis pas l'aîné, bon, c'est tacitement qu'on devient chef de famille en quelque sorte, et on est obligé de prendre la parole, de prendre tous les dossiers en main, de faire tout, de prendre l'initiative, de coordonner, de diriger tout. Et puis voilà. Et c'est dans ce sens-là que bon, bon, je deviens un peu, pas un principal, mais voilà. C'est un acteur. Un acteur, comme on le dirait peut-être. Un acteur. Donc en tout cas, pour votre petite interview, je vous adresse aussi mes remerciements. Le patriarche. Regardez, il fouille. Bon, nous sommes ici au village Bilombo. Site situé entre Kinshasa et Boubou et Boko. Environ 134 km de Brazzaville. Ce site a été opéré à la suite de plusieurs malheurs. Notre sœur Mayunga Matondo, lors d'une situation de grande pluie à Brazzaville, au niveau de Mukunjungwaka, les cimetières se sont retrouvés cassés, détruits, ravagés par les eaux de pluie. En tout cas, elle a crié au secours pour qu'on l'enterre, sa fille qui est à côté. Malheureusement, il y avait refus. À partir de cela, dans le malheur, c'est là où on réfléchit plus. Il est revenu à Bourou pour solliciter là où on pouvait avoir un peu de terre. Cela fut fait. Et à partir de là, elle a exhumé sa maman, sa grand-mère, plus sa fille Florence qui est là. Depuis ce jour-là, bon, c'est ce qu'on a commencé d'abord. Et après, ben, c'est toute la famille. Donc ça, c'est la situation géographique de ce site. Nous voici donc ici, vraiment. Nous sommes très heureux. C'est vrai que c'est dans le malheur, mais tout vont de pair, la joie et le malheur. La preuve en est que toute la nuit, vous avez vu le son de la fanfare qui manguiste. Nous avons défilé. Là où il y a les enfants de Christ, il y a toujours la joie. C'est vrai que la mort, c'est un retour vers le Seigneur. Quand on est prêt, il n'y a pas de problème. Ce qui est arrivé ici,
Donc, nous sommes très heureux. C'est vrai que la température est très bonne, il fait frais. Mais c'est bon, ça nous donne la force. Bon, maintenant, ce matin, je pense que d'ici 9h-10h, nous procéderons aux obsèques. Parce que la journée de samedi, vous le savez, à Brazzaville, c'est à partir de 20h que le couvre-feu commence. Donc il faudrait qu'on le fasse un peu plus tôt, pour qu'on ait le temps de repartir le plus rapidement possible à Brazzaville. Ben, nous verrons bien si les travaux de construction de la pierre tombale ne prennent pas fin à temps. Certainement qu'il y aura un petit restreint de la famille pour surveiller les travaux. Donc en gros, ben, nous sommes très heureux d'avoir arrivé ici. Au départ, il n'y avait pas de maison. Maintenant, il y a quelques maisons. C'est un bon site. Il ne reste qu'à faire le planting pour que le village soit harmonisé. Voilà tout ce que j'avais. Nous sommes très heureux. Nous sommes liés par plusieurs relations ici. La famille, vous savez, la famille africaine a ses ramifications. Hier, vous étiez des amis. Demain, c'est des liens. Le fait que nous avons des sœurs, des frères qui se marient un peu partout. Donc voilà, en gros, nous formons. C'est une fusion d'une famille Yembembe, Kimpanzu, Kaunga et ainsi de suite. Vraiment, nous vous remercions de l'interview. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Je me présente, je suis Jodel Walembo. Je suis le fils de la défunte, maman Odette Mayunga. Donc ici, nous sommes au village Bilombo. Nous sommes venus pour l'enterrement de maman. Tout se passe très bien. Et il a joie hier soir. Nous avons dormi dans les conditions comme au village, avec une bonne fraîcheur. Et là, donc, sur le samedi, nous nous apprêtons pour l'illumination de maman qui se fera à 10h. Donc, nous remercions toute la population du district de Boko, les Brazzavillois, notamment la fanfare, les amis et connaissances qui sont venus nous assister. Donc, nous sommes très heureux et maman part dans les honneurs qu'elle mérite. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes ici au village Bilombo. Et moi, c'est Papa Samba Paulin, c'est mon nom. Et mon grade ecclésiastique, je suis diacre responsable. Mais je fais le rôle de pasteur responsable à la paroisse de Nzoko. Nous sommes ici parce que maman Odette Mayunga n'est plus avec nous. Donc nous sommes venus pour les obsèques de maman Odette Mayunga. C'est pourquoi nous sommes là, ensemble avec la fanfare kimbanguiste de Brazzaville et celle de Boko aussi nous a rejoint la nuit. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc d'ici 10h, nous allons commencer la messe de requiem et jusqu'à aller mettre maman à sa tombe pour toujours. Quoi. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai donné cette information. Merci. Merci. Et maman, je suis venu à la maison. Donc, vous tous, vous êtes beaucoup. Je suis venu à la programme de la maison. Je suis venu à 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 la maison. Je suis Florence. Je suis Jacqueline. Batombo nkumbu ya mabilombo donc ntikolo mabilombo njena mwana nsuko mabasola donc contre motuijiri ya nsunda mayunga odete donc changu tuijiri mkutere bala besimise donc ntama erbi fwana jika meme amansuni bien kwa mbachikiri bien kwa mbimanisa donc c'est tout comme nsango donc buni rankaka tuna mutalando yanu kwa mabilombo donc yana ndi sa visiter. C'est tout. Duval, Mubala va bakala Mukanda et puis moi là mon tsuki na mon mama baba tu dis mais non. Et où ma bilombo ni kaka. Et où ma maru kusala ni yaya. Et où ne gabala Florence comme nous moi l'engagé. Et où ne kuma yuga Jacqueline ina kume yaya. En tout cas donc nous avons géré, ça s'est bien passé.
depuis que Brazzaville, dès le premier jour, tu as annoncé à Yaya Fouiri, si vous tuez Jirikoukou, regardez la manière. Vraiment, ce qui vient de dire que c'est une bénédiction pour nous, cette grande famille, tu es ma descendant, Baba Bilombo. Na bala bangaji na boba tukuko kula na beto tegaga tukako tuzuku ini fierté ya beto donc village Bilombo ya beto ina ce que veut dire que chacun de nous on est chibu kapaka mwachi madira tukwetela masi tukwetunge donc ntsaya yingi epi mutala que bayaya na beto bampangi muzololo neto tukola lubote donc ni pluie de bénédiction quoi tout à lomba vraiment nzambi ka tusare ça plus que mugi nzambi de butugiri. Il m'a tout à courir. Donc, vraiment, pour la carte, tout le monde est là. Le zolo, le sucre, le sel, le tout est serré. Vraiment, c'est important. Donc, je suis heureux aujourd'hui. Pour que vous tous me l'avez, il y a un peu de monde engagé. Et puis, dans le cas, vraiment. Donc, vraiment, merci vraiment. Attends, je suis finalement passé au Wakanda ensemble. Maman, maman. Mana mena voma lufulu sura miena mieto. Mana tuwa tata sibulanzo za ntima. Iga makutumeto. Makala makindefe pasipa wa mamu. Ye nuna yesadila mpasimu na lumukina. Wale moji tukwa. Wazaya nzila tukwenda. Muna ndiata zeto. Etata utusimba muna luwako popo. Ututani na. Tata tela maneki. Yani sika sibule nkanda nzami mutanga mamu. Tata. Mungana mana mange. Vovela muna nwandi, telamana muna malu mandi, pasi mambu maku, betoka wae lunda yesadina. Tata, sasa jangu, musadina mulunda, pasi muna lumbu kina tofuka, yenda za kukulombele tata, utukuta kasa tokala mutu musi. Zola nguisa ni tulombele bafudweki. Ika lufuga muna kala munza ya mfimba, muka mukande jiji siti, ebeto baonso no kande da kenzambi, ututula muna nsinga olusolo, passing the tata wakemboso. Imana tuti yeko la kabeno balongo mukumbwa se ye mwana ye mwanda velela. Amen. Tanga mikanda mibale. Doko tanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 mokanda mibeko. Mokanda mibale toko tanga na Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 2. Tomo sakoli, tompovi. Chapitre 3 verset 1 à 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Pour le kina mokanda yami balé, na Ecclésiaste chapitre 3 verset
1 à 2. Il y a toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Nakombo ya tata mwana na molimo mosanto. Amen. To bondela. Nakombo ya tata mwana tata molimo mosanto. Ya wenzame na biso papa simoki mbango kyangani. Lelo ezali mokolo ya suka ya mama na biso. Mama Odette Mayunga azali ko silisa mikolo na ye awa na mokili. Matei oyo mokolo malelo okopesa yango na ye te kasi epai na biso bato tozali nanu bomoi. Moto na moto azwa ngonga oyo kobeta na motema ne na tina ete akanisa ete mokolo ye koyela biso banso. Lelo ezali mokolo na ye lobi kone kozali ya mutu mususu. Yango wana tokoteya katango nyonso. Bona ete to yeba ete na mokili oyo tozali koleka. Yango wana fongola matoyi na biso ya molimo pe opesa biso mitema ya pete. Eyamba liloba na yo evanda kati na biso kwete na mokolo masuka tobikala yango. Nakombo ya tata mwana pe tata mwalimu mosanto. Amen. Nakombo ya tata mwana mwalimu mosanto tangi mibeko. Mbona nini mibeko? Mibeko ezali volonté ya tata Nzambe. Mibeko ezali volonté ya tata Nzambe. Tata Nzambe mutu a imposé biso mibeko. Mbona nini tokozwa ndakisa ya bana Israel. Mabota mazalaki mingi. Mais le col est allé qui porte au Yaponaki, après ça qui bango mibeko. Mibeko est lingi kolobete kolanda volonté en Zambé. Tata Nzambe lingi te porte au Yanga na poni et sengeli batambola na mibeko. Na kati na mibeko zomi après ça qui, ce qui totangi malam, to komonete mibeko mine, ezali vis-à-vis na Tata Nzambe. Mibeko etikali kuna na sele si zoto commandement. Et ça va concerner Bisson à Bisson n'est pas vendu de la carte. Donc, Tata Nzambe a bossé à qui il m'a côté. Na kati ya mibeko, nyonso ezakuna na kati. Et pourquoi tu yoka ka mibeko, pona ko bongisa mokolo ya lelo. Ndenge mama laliawa, ye mibeko ezali susu china ipa na ete. Akomi ko kende ko rendre compte. Bisson na yon ne batote zabo mo ilelo, nde mibeko yango etanga mipona biso. Les 10 commandements. Ce qui m'a dit, ok, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici, périmé. Ça veut dire que Moutouana, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Parce que mi beko ti lelo, ce que koko yibe loka bato bako kanga yo. Pourquoi bako kanga yo? Parce que osali mbeba. Eh, na souka nango bato mi bale kaka bako taki. Bato mi bale, yo sona kalem. Bawa ba bimaki, na Egypte. Mais des milliers de bimaki. Pourquoi les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en parce que les gens qui ont été en train de se faire. Et pourtant, Tata Nzambe na bolingo na ye abimisaki bango na Egypte. Nenge ba bizaleli bazwaki kuna na Egypte, ba bimaki na yango. Tata Nzambe aponaki te. Bando ki ba bimaki. Banganga kisi, ba miyibi, bato ekobo. Bato ya soloka bato nyoso wana ba bimaki na Egypte Nzambe abimisaki bango. Na bolingo ya Tata Nzambe bato nyoso wana ya mabe ba lekaki. Mais na tango bakomi na ngomba ya Horeb Tata Nzambe alobi bon, tango ekoki botambola sikoyo ndenge nga na lingi. Et a imposé bango mibeko. Donc ils ont volonté à Tata Nzambe. Biso pe lelo na ngombe lingomba Tata Simon Kimbangu depuis 1985 papa denga na lobi botanga ka mibeko. Et sika nyoso bovandi. Cérémonie nyoso to kosala mibeko ekotanga maka et bakosala mariage mibeko. To kokunda ebembe mibeko. Culte machinal mibeko, na soirée mibeko, dimanche mibeko. Sika sikoyo soki okolonga te. Fote kozale ya nani? Fote kozale ya nani? Donc mibeko ezali na importance moko capital et pa na biso bandimi. Mondimi akotambola kana mibeko, mibeko yango wana ndiye kolongisa biso na mokolo malelo. Toko yoka kandenge na tongo soko lamuki. Oko mana mutu ya sokima. Ngo. Bato baso kima mbango baso kuse buskule na banzela. Sala nino kisa. Bawela kanini. Baso kene nanda kwa Nzambe. Menanda kwa Nzambe pwana kwa sala nini. Pwana kwa prepare kaka mokoloyo. Mokolo zaka mboko. Un jour seulement. Pwana biso pwana kwa bongi saka. Mokolo ya lelo. Mama lelo esili.
Tu comprends le sous-souté. Nous sommes à la qui est Tikali. Bato Moussou Soubakozoa. Bato Moussou Soubako géré. Ce qui n'y a pas la qui. Nous sommes à la Tikali. Azaliko Kenema. Boko Pamba n'est pas là. A comme il faut rendre compte de mon bembo à Yaki. Et dans mon colo malélo, ce qui est à côté de mon bossant colo Yissou, mais bien qu'on démoute à côté de mon saillé. Donc, si tu vas dire à ta papa, maman, tu es là que mon colo yo et voyez la vie sur base. Quand tu as la mémoire courte, ou bien que tu as mis sur le couta, ou bien que tu as mis sur le couta, au fond du cœur, aux alliés n'ont touché terre, aux alliés battent terre. N'importe mon collègue voyait l'angai. C'est vrai. Séparation et peut-être ça va bien se passer. N'engagez aux alliés qui vont vendre la maman. N'engagez aux alliés là qui. Donc mon ami le sous-souté et vous pensez ça va passer. Mais pendant que mon ami vous conduit en Zambie, nous allons manger au caca yangoi. Moi tu as compris que mon ami Zambie était ceux qui a profité. C'est pourquoi tu as ce bousculé que n'attendo. Parce que vos alliés vous connaissez. Même vous les alliés a du parapluie. Pourquoi qu'on est en Zambie en Zambie? Pour aller que la vie est autozali, vie mon sous ses alliés autopengi, la vie éternelle. Amen. Amen. Docteur, ma tobonde là. Tobonde là. Tata n'a pas besoin de Nicolo, tika pour continuer ya. Tika mon canon est salé, ma awa n'a sempi la mokan à Nicolo. Parce que ce bilay, ou qui mon colo n'a mon colo. Limisa ma ben a biso le colo, tu limisa kawa, basala kabiso ma be. Potika biso katina kamba kamate kasipi, se biso na ma be. Kwete noye zali nguya, kembo, lobiko na lobiko. Amen. Amen. Si bambote ne na simane to koleka na recueillement na biso sikasikoyo bona bambote na biso ningeta tanza me kolo isa to molimo mo sante apesa ki biso makasi pe a bombi biso butumo bimba to moni tongo ya lelo to ko pesa na mbote na kombo ya tata mwana molimo mo sante na kombo ya tata ya mwana ya molimo sante ne to ko senga na ba amie connaissance bato mingi ba yeba ki mama. Mais bah mona qui te va y aka, parce que la qui nous fait y a souk à toi si les ayango. Donc tu vas singa na ba mie connaissance ba ngongo nyons. Pe na ba ndeko to zali na mangomba mosusu. Nenga to lebi mangomba mosusu to yebi. Ba église de réveil zali. Ba catholique ba zali, ba protestant ba armée du salut ainsi de suite. To telema ko te va pesa biso mbote. Tata Simon qui m'a dit que nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été
ça, bangombote na komi sa tu boule na kombo ya tata. Ya mwana, ya mwali mosante. Merci li bota bovana na bino. Deo toleki na ba konza lingomba. Kor eklesiastik nyon son kengi longi se lo pasteur. Ici quand on va ni ba membre à département. Bino ban son dehors à ma membre à collège bozela. Ne botel ma to pesa bino mbote. Merci beaucoup, Nabino. Na komi sote bule na kombo ya tata ya mwana ya mwalimu sante. Merci beaucoup kina binoko vante.
Allez, passez, passez, passez. Supportez, supportez. Vous avez la parole. Mon combat, c'est moi le monde fait là. Yan Sunda. Yan Sunda, Yan Sunda. Beto batata tu es là. Beto basé, bitu kabuleke. Quand on voulait la personne mon bico, quand tu la personne mon bico, y a mingi bientôt tu zébeti ya ya. Bravo, une tangua qui fouine, papa qui te l'embila. Yenda, yenda mbote. Kuenda kuna, zébeti bala shishidi, kanda shishidi, batata shishidi. Yenda wazonza, kuna kubambuta bana beko bwana kuna. Tuka batata bayunga na bama kusala, daba. Bwana kuna bampe nge bata kela. Bampe bakusongo sako papa simo kimbangu. Mpashi wavunda muna mbanza ya ndongo paske sidi sala. Sadidi mkorali be. Tengi korali be. Uishi kota bufafara. Uwele chiku mputu kuparo asa lumière. Na chiku paro asa Montreuil. Doka kishidi tombo sala. Inda wapaka. Msendo haku unawu. Finally, in the body, yeah.
pete to tika saki nsanga njamela kama yani wizi kwangeye nkaku umonekene katusa kumona dia kako gonga tu yandikiza daka munsi yipi yi katuka ukawutuka kiese kya kala wabu mvutuka ndipe kiese kadi sita mwizi tambalu kwangeye munasani kasi sala kunshanta angu kumvila kanako ebe tumbe kumsali kitu salanga kutuvila kaniko utuvana kikese kibakala mpasi vota tata mnati kuna mbani nu bonso yani sito tula mvuma mvuma wo kwa yani tuvana wo yani sikana to kwa mfumu Yesu kadinzi la Zulu kwa yani yenina idia mfumu Yesu Kristo tada lunga na kyangani kambula mwana muna moko mavauka imumu tulombe kwa beno vandongo muna nkumba se mwana mwanda vile amen. Mwana mwanda velela papa kisoro kale lukelo papa de lunga na kyangani papa de ngenda kuntima kana batatu papa simo kimbangu kyangani mwanda velela fuliki aki twizili campus bonso blokizi da vuvanga bene kipeni vo rumbuki mosike ko kitu vingilanga campus kena wau kifweni kwa mama Mayunga bonso butuwili mna bisambu bitegele tuwili mpe malongi konso muntu bakiri jambu jina kalundi butu kuba mane mkwenda kuna ndiamu
benu lubongile mweleno kanti bedu tubongile nitu mukoya futira munantete moya toka tulombele mpasi ntete wakala lemba mimu yandi lantambula lwajibula mwelo yelusalemi mpasi kakota mukisalo kyo kya wonsono kasiri sala vavanza luyala kifuluki mkinzi tukabona uyantigidingi wakese wena bikampo wamanise na mukese bantu babingi tuijiri tutugiri mbanza embanza tangu tukwenda mpe bikolo tuvutela muna luvuvamu ndia utilombele kwa ngesedi eto latusambule latulunga lunga latumwisire sono tumone jenga latuzangula ndoza tuluvanga yangi muna nkumbwa se mwana emwanda verela. Amen.
champion matondo tunafutula kwa ngeye tuka mama utusisidi tukebele temu lumbo iki tutukiri kuna mbanza nkiutomba mweku kunchakizira kondo koma sakuba wao ntangu ifweni mtoto tutuka mtoto tufutuka nzambi yetu nzaitwa ize yampasi biko kubikira mama fulu kachivoka ba kakaravana bakundilanga vuvuke tukwangiye kangu kuyishiri vutuka uvutuka biko na bavangela botso bwana lemfo ngoroza ngitata muanda feleza yitelala mubeto bima tutula munwa jata tudiata biko kututani na kalivo sumule vonzo bakalipi bubijiri kaba yuvuduka uvutuka bibika bavangela bo ika luzula ngitata muanda vela kutishila nlemfu kadi tuleka kabala vachantangu kalivu mansanga matandoka kutishila nlemfu vuvuke tukwange papa simo kiba uchanga ni pevya nlongu muna zula kwa siyo mwana muanda velela. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible, et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ô mort, où est la victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Au commencement, Dieu n'a pas créé la mort. Celle-ci a été imposée à tout être humain après la chute d'Adam et Ève. Depuis la victoire de Jésus-Christ sur la mort, celle-ci ne demeure un châtiment que pour ceux qui ont refusé de recevoir la vie en Christ. Car pour ceux qui croient en lui et qui ont marché selon ses commandements, la mort est la voie pour arriver dans le royaume des cieux, où Jésus-Christ règne avec les justes pour l'éternité. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place. Comme en Adam, tous meurent en Jésus-Christ et tous reprennent vie. J'ai entendu du ciel une voix qui disait « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car la mort n'a plus de pouvoir sur eux. » Ça fait rien. Malembe. Ne lâchez pas encore, on va le dresser. Voilà. Ne lâchez pas. Allez, poussez. Penchez. Maintenant, poussez-le. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Christ, tu es le roi de gloire. Tu as vécu les affres de la mort, ouvrant ainsi les portes du royaume des cieux à ceux qui ont obéi. Crois et espère en toi. Terre, tu es terre, dans la terre tu retournes. Comme il a plu à Dieu, Créateur, de rappeler à lui ton âme, nous remettons ton corps dans la terre d'où il a été tiré, et nous remettons ton âme entre les mains du Sauveur. Il est mort et ressuscité, et en lui nous avons tous défait la mort. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel, notre Père, approche-toi de nous pour nous consoler des douleurs de la séparation. Donne-nous l'intelligence de comprendre que la mort, loin de nous séparer de ton immense amour, ne fait que nous conduire où ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, attend ceux qui meurent en lui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec tous pour toujours. Amen. Amen.
descendance de la mer du Don.
bénédiction de notre Papa Simon Kimbangu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen. Le village, nous les villageois, le village s'appelle Ngandwambutu. Nous sommes dessus un hameau qui s'appelle Bilombo. Et c'est le village de la famille de la défunte maman qui vient de décéder. Donc, aujourd'hui, avec tristesse, on a compati nos douleurs ensemble avec la famille du disparu. Donc là, bientôt, l'inhumation va prendre fin et on va se dire au revoir. Et ceux de Brazzaville vont repartir et nous, les villageois, on va rester. Attends, Kanzamataï, Koukadambou. Thank you.
Père son âme, on dirait, et peut-être on va nous chacun son tour. C'est bon.